Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce point d'information hebdomadaire sur Golden Suite Télévision. En politique, c'est officiel, la sénatrice Kandia Camara est portée à la tête du Sénat de la République de Côte d'Ivoire depuis ce jeudi 12 octobre 2023 à Yamoussoukro. En sport, depuis hier, toutes les caméras étaient braquées sur la ville d'Abidjan. On connaît désormais les différentes poules après le tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Il n'y aura pas de repos pour les éléphants ivoiriens qui démarrent leur préparation dans un gros match amical demain face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Et puis, un dossier exclusif vous est réservé dans ce journal. Nous irons au cœur de l'activité des salons de coiffure en Abidjan, connaître les impacts socio-économiques. Plusieurs autres questions seront abordées dans ce journal. À la présidence du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, Kandia Camara succède à Janois Oussou-Kouadio sans surprise avec 91 voix sur 97 votants. Plus de précision avec Vince Kofi. 91 voix sur 97 votants, Kandia Camara sort vainqueur et devient la présidente du Sénat. L'ancienne ministre ivoirienne des Affaires étrangères, Kandia Kamisoko Camara, succède ainsi à Janois Oussou-Kouadio, qui occupait précédemment le poste du président du Sénat et qui a dirigé cette institution d'avril 2018 à ce jour. Unique candidate à la présidente du Sénat ivoirien, présentée par le Rassemblement des Soufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à cette élection, c'est sans surprise qu'elle a été élue à l'issue du scrutin qui a eu lieu ce jeudi 12 octobre à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. L'élection du nouveau président du Sénat était l'unique point à l'ordre du jour de cette séance inaugurale. Notons que Kandia Camara est la première femme à diriger le Sénat en Côte d'Ivoire. Du 16 au 18 octobre prochain se tiendra au pied de la basilique à Yamoussoukro de grands événements. Il s'agit d'un colloque sur l'oufouettisme et sur l'organisation de la 5e édition du prix de la paix Félix Houphouët-Boigny de la recherche, Vince Kofi. À l'occasion du 30e anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny et du cinquantenaire de la fondation qui porte son nom, afin de marquer ces événements, le colloque sur l'oufouettisme et la 5e édition du prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche sont prévus se tenir du 16 au 18 octobre prochain à Yamoussoukro. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse ce lundi 9 octobre à Cocody. Étant dans un processus électoral de renouvellement, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de réflexion selon le professeur Niamke Kofi, conférencier et président du comité scientifique du colloque sur l'oufouettisme. Durant ce colloque, les réflexions seront accentuées sur le contenu philosophique et politique de l'oufouettisme, notamment sur l'approche conceptuelle et idéologique, l'action politique et bien d'autres. Quant à la 5e édition du prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche, selon le président du jury, professeur Baya B. Daniel, ce prix est créé afin de distinguer les mémoires de masters et les thèses de doctorat portant essentiellement sur la vie, la pensée, l'action et l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny. Cette initiative a pour but d'étudier le personnage historique passé à la postérité comme objet d'étude scientifique pour mieux expliquer et comprendre sa pensée, sa philosophie politique et son action historique. À noter que les prix de 500 000 francs CFA passent à 1 million de francs CFA pour les masters et 1 million à 2 millions CFA pour les thèses. Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, ce sera l'affiche du match d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Côte d'Ivoire 2023, le 13 janvier 2024 au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Hier, au parc des expositions d'Abidjan, le Gotha du sport et précisément du football africain et mondial était présent pour le tirage au sort, le calendrier des rencontres, les détails dans ce reportage de Christelle Ligué. Pour cette 34e édition, la Côte d'Ivoire, avec 6 villes et 6 stades, accueillera la plus grande des compétitions du berceau de l'humanité. Il s'agira également de la 3e édition, avec 24 équipes en lice. La célébration du ballon africain débutait dès ce jeudi soir, avec le tirage au sort de la phase de poule de la CAN, lors d'une cérémonie organisée dans le tout nouveau parc des expositions d'Abidjan. Plusieurs grands noms étaient présents pour l'occasion, tels que l'ancienne gloire ivoirienne Didier Drogba, les champions
champion d'Afrique 2013 et 2019, John Obi Mikel et Sadio Mané, ainsi que le Parisien et international marocain Achraf Hakimi. Et les dés sont désormais jetés. Dans le groupe A, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui espère soulever le Saint Graal devant son public pour la troisième fois de son histoire et la première depuis 2015, devra se surpasser, opposé à la Guinée équatoriale et à la Guinée-Bissau. Les Ivoiriens croiseront également le fer avec le Nigeria, porté par une armada offensive de haut vol pour un choc d'or et déjà attendu. De son côté, le Sénégal, tenant du titre de la compétition, retrouvera le Cameroun, vainqueur de la compétition à 5 reprises. La Guinée et la Gambie dans le groupe C, autres nations fortes de cette CAN 2023, l'Algérie et le Maroc, ont quant à eux été préservés. Ainsi, dans la poule D, les Fennecs seront les grands favoris face au Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Demi-finaliste du mondial qatari, le Maroc devra de son côté se défaire de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie dans le groupe F. Pour le reste, l'Égypte, recordman de la compétition, cet titre affrontera le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique dans le groupe B. Enfin, la Tunisie, elle, sera opposée au Mali, guidée par sa nouvelle génération, à l'Afrique du Sud et à la Namibie dans le groupe E. Il faut rappeler que les équipes du groupe A joueront au stade Alassane Ouattara, banlieue d'Abidjan. Dans le groupe B, les rencontres se joueront au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le groupe C sera logé au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Le stade de la paix de Boaké accueille les rencontres du groupe D. Dans le groupe E, les duels auront lieu au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Enfin, le groupe F au stade Laurent Pokou de San Pedro. Surnommé Yop City ou Poy, Yopougon est l'une des 10 communes du district d'Abidjan, mais également la plus grande commune de la Côte d'Ivoire. Connue pour ses nombreux quartiers précaires qui contrastent avec les quartiers résidentiels, cette commune se compose de zones industrielles et autres secteurs d'activité économique qui ont absorbé les villages traditionnels sans faire disparaître leur organisation sociopolitique et culturelle. Yopougon est une commune très importante dans l'économie abidjanaise et ivoirienne. À côté des nombreux maquis et boîtes de nuit, qui génèrent beaucoup d'argent, les salons de coiffure occupent une place importante dans le développement économique de cette belle cité. Établissement où des clients viennent se faire coiffer par des professionnels, les salons de coiffure de Yopougon, à l'instar des autres instituts de beauté d'Abidjan, prolifèrent et sont en fonction de la bourse de la population. Des cabanes aux salons huppés et modernes, chaque salon, à son échelle, contribue à l'essor économique de Yopougon. Nous sommes dans le métier, ça fait près de 10 ans et nous arrivons par... Bon, moi, en ce qui me concerne, j'arrive à payer mes factures, voilà, à avoir un logement grâce à ça. Je paie mes factures, en tout cas, je ne me plains pas. Voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est que ce métier-là nourrit vraiment son homme. Un impact très considérable. Anciennement, les cheveux et leur entretien étaient la préoccupation de la gente féminine. Mais aujourd'hui, la coiffure, c'est aussi l'affaire des hommes. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce domaine d'activité n'arrête de se réinventer. En effet, les métiers liés à la coiffure existent sous diverses formes. Coiffeur polyvalent en salon, coloriste en salon, coiffeur polyvalent en établissement de soins, coiffeur à domicile, coiffeur perruquier posticheur, coiffeur homme barbier, pour ne citer que ceux-là. Tout ceci pour mettre en évidence le champ d'action des salons qui en réalité tient compte des spécificités et particularités propres à chaque salon de coiffure. Dans les marchés, certains coiffeurs travaillent en collaboration avec des magasins de vente de mèches. Un partenariat qui oblige les coiffeurs à ne se ravitailler que dans ces magasins qui généralement servent de salons de coiffure improvisés. Ces salons de marché, même situés sur la chaussée, réussissent à satisfaire et à fidéliser leur clientèle en leur proposant des prix défiant toute concurrence. Ici, dans le salon de coiffure, je suis responsable au niveau de la coiffure, des pédicules, manicures, soins de visage, des permanents aussi. Et la confection des perruques. Ça nourrit très bien son homme. On arrive à s'en sortir. C'est vrai qu'on ne gagne pas des millions, mais on arrive à s'en sortir.
Plus loin, dans les instituts modernes, le décor est tout autre. Des installations féeriques, des prestations multiples et un personnel expérimenté qui ne demande qu'à bichonner la clientèle entièrement acquise à sa cause. Une clientèle toujours prête à mettre le prix qu'il faut pour paraître irréprochable et magnifique. Quoi qu'il en soit, à Yopougon, le domaine d'activité des salons de coiffure est et demeure l'un des piliers essentiels pour le développement socio-économique. C'est ici que prendra fin ce journal hebdomadaire sur Golden Suit Télévision. J'ai été très ravi d'être en votre compagnie. Retenez tout simplement que baisser les bras dans une compétition sous prétexte qu'on ne peut terminer premier était compatible avec l'esprit du sport. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire pour la CAN de l'hospitalité. On se retrouve prochainement.